Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit tuto représentant une rivière de montagne, donc une rivière plutôt rapide avec quelques petites cascades, avec des gros rochers de chaque côté, quelques arbres et un peu de lichen sur les rochers, etc., etc. Si ce type de vidéo vous intéresse, vous pouvez voir une autre vidéo quelque temps en arrière représentant une cascade. Ici, ça sera plutôt la rivière entière. Donc voilà, si vous le souhaitez, vous pouvez mettre un j'aime et vous abonner. Ça fera avancer la chaîne et moi, je vous souhaite un bon visionnage. À tout de suite. Donc pour ce tuto, je vais utiliser les couleurs suivantes. Donc je vais utiliser du blanc de titane. Là, je l'ai déjà un peu étalé parce que j'ai passé sur la toile. Une vieille toile, hein. Je l'ai blanchi un peu avec du blanc de titane mélangé avec de l'huile de lin pour faire une couche qui permettra de mélanger certaines couleurs directement sur la toile. Donc vous mettez une fine couche d'huile de lin avec du blanc et vous faites en sorte que on voit toujours en passant votre doigt dessus. On voit toujours les empreintes digitales. Si on voit plus les empreintes digitales, c'est que la couche est trop épaisse. Donc du blanc de titane, du jaune de cadmium clair et du jaune de cadmium plus foncé. En fait, là, il n'y a pas besoin de prendre les deux jeux, l'un ou l'autre suffit. Mais comme moi, il me reste un tout petit peu de celui-là, je veux le finir et donc j'ai mis les deux. Du vert de vessie. Du bleu phtalo, ici c'est de la terre de ciel naturelle et ici c'est de la terre d'ombre naturelle, donc un brun foncé, et là c'est du noir. Donc on commence à mélanger un peu de bleu de phtalo et de vert de vessie. On va faire un fond, un ciel verdâtre, et puis on va faire le bas qui représentera plus la rivière. Le fond de la rivière. Donc on fait un mélange entre du bleu et du vert, vert de vessie et bleu phtalo. Le fait de te mélanger au blanc qui est en dessous va contribuer à mélanger la couleur. Donc on va faire très léger, on va mettre un petit peu plus de bleu. Mettre un petit peu de blanc aussi pour éclaircir un peu et on croise, on croise, donc on part vers le haut et en fur et à mesure qu'on va vers le bas, le ciel s'éclaircit. Voilà, on va pas plus loin que ça, hein. On fait simplement ça. Ensuite, on égalise légèrement. Voilà, c'est vite fait, hein. C'est juste pour faire un fond. C'est pas le but du tuto. C'est juste pour faire un fond, un ciel, un léger ciel. On va prendre la même couleur qu'on va assombrir légèrement avec du noir. Avec le même pinceau, on met juste un petit peu de noir supplémentaire. Voilà. Et on va juste passer comme ça. Un fond représentant la rivière. On assombrit un tout petit peu plus vers le bas, légèrement. On mélange les couleurs directement sur la toile. Voilà.
Ensuite, on va faire un fond de verdure d'arbres très loin, avant la rivière, au-dessus de, au lointain. Et donc, on va prendre un pinceau un peu arrondi, assez épais. On met toujours la même couleur, du vert, du bleu et un peu de noir. Et on va faire quelques arbres très lointains ici. Voilà. On met plusieurs niveaux. Voilà, simplement ça. Pas plus. Ensuite, on va faire une berge et un peu d'herbe par-dessus, enfin au-dessus. Donc la berge, on va prendre du brun foncé. Hein, donc ça sera, moi j'ai pris de la terre d'ombre naturelle. Ici, on l'étale comme ça. Avec mon ton. Voilà. On l'étale et on prend un petit rouleau et on va faire une bordure ici le long. On prend le pinceau, le couteau et on appuie très légèrement en allant vers le bas et un peu sur le côté. On reprend régulièrement de la peinture. Voilà. On va pas aller trop loin, enfin trop épais. On va s'arrêter comme ça. Ensuite, pour faire un peu d'éclaircissement et un peu plus de relief sur le talus, on va prendre du marron plus clair, hein, de la terre de sienne naturelle. On ajoute un petit peu de blanc. Ça nous fait comme ça une couleur un peu marbrée. On ne la mélange pas trop en fait. On prend de la terre de sienne naturelle avec un peu de blanc. On ne mélange pas trop avec le couteau. Et pareil, on fait un petit rouleau. Et on vient frotter comme ça légèrement sur le dessus du talus. Voilà, c'est tout. Ensuite, on va faire un petit peu de verdure par-dessus. Donc je vais prendre mon jaune clair là, ici, je vais le mélanger avec du vert de ici, avec le couteau, je mélange bien avec le couteau, et je vais mettre un petit peu de noir, légèrement, très légèrement, pour assombrir un peu le tout. Voilà, ça nous fait une couleur un peu comme ça. Ensuite je vais prendre un pinceau éventail, à laquelle je vais mettre un peu d'huile de lin dedans. Je vais mettre un peu d'huile de lin pour mettre un peu plus de gras. Sur cette huile de lin, je mets un peu de blanc. Et je mélange le tout directement sur la couleur que je viens de faire. Je vais faire avec ce pinceau, je vais faire donc un peu de verdure en tapant par-dessus et en montant légèrement. Donc le pinceau, on le prend dans ce sens-là, on appuie et on monte. Comme ça. On retourne. On reprend de la couleur. On
simplement. Après, on peut aller un peu plus vite. Et on peut même y aller un petit peu sur le côté de façon à ce que la verdure soit pas uniforme. Pour mettre un tout petit peu de clarté dans les arbres qui sont derrière, je vais reprendre le pinceau de tout à l'heure que j'ai nettoyé et je vais mettre un peu de la même couleur, du vert, du jaune, la même couleur que là en fait, hein, quasiment, et un tout petit peu de noir. Donc on prend de la couleur et on tapote de façon à ce que la peinture rentre à l'intérieur des poils. Et on met juste quelques touches de plus clair ici. Un petit coup là et puis c'est tout. Ensuite on va en arriver au sujet principal de la vidéo. La rivière avec des petits rapides et des petites cascades. Donc on va prendre un pinceau éventail, on va prendre du blanc avec de l'huile de lin. J'ai mis de l'huile de lin, j'ai déversé un tout petit peu d'huile de lin sur le côté ici, et donc je vais prendre de l'huile de lin ici avec du blanc de façon à ce que ça soit plus liquide. Voilà, on en met pas mal. Et on va commencer à faire la rivière. Donc avec le pinceau éventail rempli de blanc et d'huile de lin, on va commencer à faire des petites rayures comme ça. Il ne faut pas hésiter à reprendre du blanc régulièrement. Il faut que le pinceau soit toujours bien rempli de peinture. Ici, on va faire un tout petit peu de remous sur le début du talus. Donc on prend le pinceau vers le haut comme ça et on tape. On tape sans frotter en faisant ce petit mouvement avec la pointe du pinceau. Comme ça ou comme ça. Voilà. Et là, on a fait des petits remous. Ici, on va commencer à faire une petite cascade légère. Donc, on arrive ici avec le pinceau. On va horizontalement et on descend directement verticalement en frottant très légèrement. Voilà, comme ça. On frotte très légèrement. On retourne le pinceau et on fait la même chose de l'autre côté. On veut mettre un tout petit peu plus de blanc sur le dessus par exemple, on rajoute du blanc sur le pinceau et on fait la même chose. Voilà, on met un petit peu plus loin par là. Ensuite, on reprend du blanc, un peu d'huile de lin mélangée. On remplit bien le pinceau, plein de couleurs. Et là, on va faire un peu de remous en dessous, la cascade. Donc pareil, on part vers le haut comme ça. On ne frotte pas, hein. On pose et on pousse vers le haut. Alors, soit on peut uniquement prendre les deux à plat comme ça et pousser vers le haut comme ça, soit on prend juste un côté, on prend un côté comme ça et après on prend l'autre.
prend un peu de peinture. Il faut toujours que le pinceau ait beaucoup de peinture. Ensuite, on va prolonger la rivière. On reprend du blanc et un peu d'huile de lin, toujours. Et on va faire des petites lignes d'eau. Et donc là, j'ai coupé la caméra trop tôt et donc j'ai fait des lignes comme tout à l'heure ici. Simplement hein, avec mon pinceau, la même chose que là, j'ai fait des petites lignes comme ça. Voilà, je vous le refais un peu. Et simplement, j'ai fait quelques petits remous par-ci par-là. Voilà, simplement comme ça. On peut taper comme ça. Et en dessous, on met des lignes d'eau. De chaque côté de la rivière, je vais faire deux gros sapins, mais sans trop de précision, c'est juste pour délimiter. Et des rochers, juste en dessous. Donc avec ce pinceau-là, le même que celui que j'ai utilisé pour le ciel, par exemple, et j'ai mélangé du vert de vessie avec du noir pour que ça fasse une couleur assez sombre. Je mets pas mal de couleurs dans le pinceau, je tapote, voilà, et je vais de chaque côté faire des sapins ici et là. Donc c'est des sapins ou des conifères, hein. C'est des sapins assez importants. Donc on va faire ici, on va aller faire descendre jusqu'ici. Donc je reprends de la couleur. Donc j'ai fait les deux troncs des sapins. Et on y va. Voilà. On reprend de la couleur. Et on fait pareil de l'autre côté. Et comme on va faire quelques petits buissons de chaque côté des sapins, on va rajouter un peu de couleur sombre avec un peu de bleu et de vert. Voilà, ça fait à peu près la même chose. Ici, on va faire un peu de fourré. Ici aussi, c'est juste pour le décor. Voilà, et ici on va faire des rochers. Voilà. Ensuite, on va donc faire des rochers de chaque côté. Donc je vais prendre du marron foncé. Je vais prendre le même pinceau que d'habitude. Je vais mettre du noir et du marron. Principalement du noir et du marron. Un tout petit peu bleu. On va faire les rochers. On va commencer par ceux-là. Ici, on va descendre. Ici. Ici, on va aller un peu plus loin. Et là, on va aller un peu plus par là, aller ici. Et on va descendre comme ça. Voilà. C'est juste pour l'instant une approximation. On va faire la même chose de l'autre côté. On va faire un rocher ici.
On va en faire un deuxième ici. Donc là. On va par là. Et là. Ici. À peu près comme ça. Et on va descendre comme ça. Donc vous voyez que là, c'est vraiment une approximation. Hein. C'est vraiment le fond des rochers. On ne va pas plus loin. Je vais les mettre un peu plus sombres. Ensuite, avec un pinceau un petit peu plus fin, on va préciser un petit peu les contours des rochers. Avec un pinceau, j'ai pris un pinceau un peu biseauté, mais le principal, c'est qu'il soit plus fin. C'est juste pour préciser un peu les contours. Donc là, vous voyez que on fait un peu en frottant vers la gauche comme ça, on fait le dessus du rocher, et en frottant vers le bas, on fait la façade du rocher. Ici, c'est le dessus, et là, c'est la façade. Donc là, pareil, on frotte. Ici, on fait la même chose. Ici, puis en bas, là, on va juste faire un petit léger reflet d'eau. Ensuite, je vais faire un mélange. J'ai fait un mélange de terre de ciel naturelle, d'ombre naturelle et un peu de blanc. En fait, pour être plus simple, c'est du blanc, du marron clair et du marron foncé. Voilà, avec un couteau. Et ça, je vais éclaircir certaines zones des rochers. Ici, je vais juste descendre certaines zones du rocher, ici avec le couteau. Avec des rouleaux, pareil, hein, je mets des petits rouleaux. Voilà, à peu près ça. Une fois que j'ai fait le dessus des rochers, ici il y aura de la mousse, des lichens, donc j'ai pas été jusqu'au bout avec le marron clair, parce qu'en fait on va mettre un peu de verdure par dessus. Une fois que j'ai fait ça, je vais simplement assombrir les façades des rochers.
Voilà, on fait en sorte quelques petits accidents sur la façade, de façon à ce que ça ne soit pas complètement pareil partout. Hein. Donc ici par exemple, je monte un petit peu. Voilà, simplement. Alors comme le soleil arrive plutôt dans ce sens-là, on a décidé. C'est pour ça que c'est plus clair au-dessus, ici c'est plus sombre, parce que là c'est l'ombre. Et de ce côté-là, les rochers vont pas trop attraper la clarté du soleil. Donc on va juste faire un peu plus sombre. Voilà, on assombrit les rochers. Ici, on va juste mettre un petit peu de couleur un peu plus foncé. Voilà. Avant de faire de la verdure sur les rochers, on va mettre un peu de verdure, de bosquet juste avant. Donc on va prendre du verre de vessie avec notre pinceau arrondi, là, le gros, qu'on mélange. On va prendre avec du jaune. Du jaune de cadmium et de l'huile de lin. Donc de la verre de vessie, du jaune de cadmium et de l'huile de lin que j'ai mis à côté, et on tapote bien de façon à ce que la peinture rentre dans les poils. Donc on va mettre des bosquets ici par exemple, là. On reprend souvent de la couleur parce que la couleur se mélange avec celle d'en dessous, et donc il faut faire attention. Voilà, ici et puis on va en mettre un petit peu. Et puis on va en mettre ne pas hésiter à remettre souvent de la couleur. Avec le couteau, on peut faire quelques légères brindilles pour simuler les branches à quelques petits endroits. Voilà, c'est tout, ça suffit. Maintenant on va faire le lichen. Donc je vais prendre un pinceau plus fin comme celui-là. Je vais mettre dessus de l'huile de lin, du jaune et du blanc. Donc je trempe mon pinceau dans de l'huile de lin, comme ça. Je mets du blanc et du jaune. On peut même ajouter un tout petit peu de vert. De l'huile de lin. Et on remplit le pinceau. On met beaucoup de peinture. Avec le pinceau, on vient taper simplement, sans surtout pas frotter,
le long de la paroi du rocher, comme ça. On rajoute de la peinture régulièrement. On peut faire tomber le lichen légèrement sur le côté. Alors ici, pareil. On va en mettre un peu là, par contre. Et puis, on va en mettre un petit peu ici. On essaye de suivre plus ou moins la pente. Du rocher. On dépasse peut-être un petit peu, légèrement sur la façade. Et plus on va vers là, moins il y en a. Ensuite, on va fignoler un tout petit peu les rochers avant de finir par le bas de la rivière. On va faire quelques petits accidents. Maintenant, on va finir le bas de la rivière. Ce qu'on va faire, c'est une toute petite cascade. Voilà. Et on va finir la rivière. On va bien verticalement avec du blanc. Et on va faire des éclaboussures le long des rochers. Par exemple ici, on va mettre pas mal de blanc sur le côté. On essaye de rester droit. Voilà. Pareil ici. Ici aussi. Alors là, le pinceau est un peu gros pour faire des petites éclaboussures légères. Voilà. On va refaire une toute petite cascade ici. Voilà. Et des cascades comme ça, vous pouvez en faire autant que vous voulez. Avec le couteau, on peut juste finir par faire des petites pointes comme ça. Pour prolonger un petit peu l'intérieur de la rivière. Si on veut faire un tout petit peu de brume en dessous les remous de la cascade principale par exemple, on peut prendre un pinceau avec à poil long comme ça, et on peut simplement, mais très légèrement,
passer comme ça en bas du remous pour simplement faire un peu de brume. On essuie le pinceau régulièrement. On évite d'aller jusqu'en haut et ça fait un peu de brume en bas de la cascade. On peut le faire un petit peu ici, légèrement, très légèrement. Voilà, cette petite vidéo est maintenant terminée. Si vous le souhaitez, vous pouvez liker et vous abonner. Ça aidera au référencement de la chaîne. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo qui sera certainement une peinture plus complète. Bye !